Trois militaires, dont ce général, sont bien en main des FARC. La guérilla colombienne confirme les avoir enlevés dimanche dans l'ouest du pays. Elle souhaite cependant reprendre les négociations de paix avec le gouvernement. Celles-ci ont été suspendues après ces enlèvements. Leur reprise est conditionnée par la libération des militaires.